Bonjour tout le monde, je m'appelle Juan Arbeláez. Aujourd'hui, on va faire une recette qui est en vogue. Et oui, les amis, une recette de saison, une recette pleine de fraîcheur. On va se faire un ceviche de fraises, courgettes, du bon citron, un peu d'oignon, de la coriandre. Vous allez voir, c'est un plat qui invite au voyage et qui va nous taquiner les papilles. Allez, c'est parti les amis. Des fraises, de l'oignon nouveau, un oignon rouge, de la courgette, du citron jaune ou vert, du sel, du lait de coco, une très bonne huile d'olive et des herbes. Normalement, c'est de la coriandre, mais là, j'ai que du persil. Bon, on va commencer la recette. On découpe nos fraises en quatre ou les petites, tout simplement, en deux. Voilà. Je vais mettre ça dans une assiette à côté et je vais garder quelques-unes pour la décoration finale. Pour ma courgette, au préalable, je vais couper la partie haute et la partie basse et à l'aide d'une mandoline, je vais tailler des fines lanières et ça va me permettre de faire des jolies rosaces comme ça. Je vais récupérer mes courgettes, je vais les assaisonner avec de l'huile d'olive, du jus de citron, leur de sel. Je vais mélanger délicatement pour ne pas les casser. Magnifique. Mon oignon nouveau, j'enlève la première peau. Et je vais émincer en biais pour avoir un joli taillage. Ça va nous faire des jolis petits anneaux comme ça. Mon oignon rouge, je vais l'éplucher. J'enlève le pédoncule et je vais tailler juste quelques petites lanières assez fines. Voilà, ça me suffit. Mon persil, je vais prendre quelques petites pûches. Je vais prendre quelques petits oignons également pour la déco et quelques petits oignons nouveaux. Et ça, je le mets de côté avec mes fraises pour la finition. Je vais émincer finement mon persil. Si vous avez de la coriandre, c'est fantastique. Voilà. Et je vais rajouter donc mes oignons, mon persil et mes petits oignons rouges à plat sur mon ceviche. On va bien mélanger le tout. Je vais rajouter de l'huile d'olive. Mon lait de coco, 4 à 5 belles cuillères. Je vais rajouter encore un peu de jus de citron, un peu de fleur de sel et je vais commencer mon dressage. Mes petites courgettes, je les récupère avec mes doigts. Je vais les poser pour faire un peu de volume. Je vais rajouter les petites fraises que j'avais gardées pour la décoration, pour avoir quelque chose de bien rouge, bien gourmand. Quelques petites oignons rouges, très important. Quelques petites oignons nouvelles. Des petits puches de persil ou de la coriandre ou de l'estragon ou du cerfeuil. Un peu de zeste de citron vert ou citron jaune. On va finir avec un beau filet d'huile d'olive. Un dernier coup de fleur de sel. Votre ceviche de courgettes et fraises, lait de coco et citron. Un plat non seulement estival mais qui va vous régaler les papilles. Bon les amis, c'est le moment qu'on préfère le plus, la dégustation. Ça, c'est ma recette en vogue. J'espère que ça vous a fait plaisir. J'espère que vous kifferez autant que moi à la cuisiner. Et je vous assure, c'est voyage promis avec cette recette. Vos papilles s'envolent. À bientôt.